Bienvenue sur ma chaîne. Ok, aujourd'hui on va faire poulet filet, chicken breast avec crumble. Donc je vais les découper comme ça. Après je pime. Pour ça on a besoin du poulet, du sel, persil, du citron, poivre. Je vais steam les vegetables là. On a besoin du flour, de la farine pour de chicken pour frire et crumble bread et les œufs tapés. Donc pour commencer, on va commencer. Je vais commencer à couper ça d'abord. Je ouvre très bien. Je coupe en deux en fait. Comme ça quoi. Ouais. Donc je fais la même chose que ça aussi. J'ai déjà lavé mon poulet avec du citron, du sel, du vinaigre, donc c'est déjà bien lavé. Vous voyez, ça doit être comme ça. Après je prends ça, je tape le rouleau. Très bien. Pour commencer, je mélange tout ça là ici. Et je mets un peu de Pepsi. Comme j'ai fait mon KFC chicken là. Si vous êtes parti pour une vidéo. Comme j'ai fait, donc la même chose, c'est le même mélange. Donc je mets un peu de sel. Je mélange la farine, bread crumble. Donc vous voyez, c'est ça que j'ai utilisé. C'est ça. J'ai utilisé. Donc, c'est ça. C'est ça que j'ai utilisé. Donc, je mélange tout ça. Bien mélanger. Je vais mettre un peu de poivre. Un peu de poivre vinaigre aussi. Un peu de sel. Voilà. C'est mélangé. Là aussi c'est mélangé. Donc je prends le poulet, je mets ici, je tourne d'un côté, je retire, je mets très bien, je mets ici, c'est facile à faire, rapide encore. On va griller ça dans le poulet, après je mets dans le four. Pour 5 à 10 minutes. Ça, ici. Pour utiliser la main, vous mettez très bien, il faut que ça soit bien partout, quoi. Ça doit couvrir partout. Comme ça. Je couvre tous les parties. C'est bien couvert.
Même t'as le pommier à la pointe de queue. Je ferme. On va. Comme tu veux. J'ai mis le. Ça doit être comme ça. Tout est dedans. Un poêle là aussi là. Si vous n'avez pas le poêle comme ça, vous pouvez utiliser le normal poêle. Mais moi je préfère ça. Mais c'est pas grave. Je laisse au moins chaque côté 5 minutes après tu tournes. On va mettre dans le four. Donc je vais allumer le four. Je mets à 165 après. Ça y est. C'est comme ça. Ça va être comme ça. Je laisse aussi le côté là pendant 5 minutes. Après je tourne aussi, je mets dans le four maintenant. Après 5 minutes, après je mets dans le four pour finir, bien cuire là-bas. Quoi. Juste 10 minutes là-bas. Très délicieux. Je vais mettre dans le four maintenant. On a au moins 10 à 15 minutes. Je mets dans mon poulet s'est cuit pendant 5 minutes, donc je vais tourner de l'autre côté. Je vais tourner et je mets dans le four. Voilà. Si c'est déjà cuit. Je laisse mon pomme de terre cuire pendant au moins quelques temps. Je pose ça ici encore. Je ferme. Je mets le végétable ici. Je retire maintenant. Je retire mes pommes de terre aussi. Je le mets ici. Je retire dans l'eau. Après, je saisonne très bien là. Dans le four pendant 30 à 1 heure de temps. Du sel. Je mets du thyme. Je vais ouvrir mon thyme, c'est un new one. Je mets du thyme. Vous voyez? Un tout peu. Je mets du persil. Je mets du oregano. Il y a la chaleur là.
C'est chaud, 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 chaud. Je mets un peu de tout. Je mets du beurre. Je remets très bien. Je mets un peu d'huile d'olive. Et je mets du bread crumble. Je mélange très bien. Je mets tout. Que ça soit bien éclipsé, quoi. Ça, je veux. C'est bon comme ça. Je mets dans le four au moins pendant. Attends, je vais mettre encore du beurre. J'adore. Je mets à côté là. Je mets pendant au moins 30 à 1 heure de temps. Ça doit être comme ça. Pepsi sec. Et du sel. Qui va accompagner mon poulet avec les pommes de terre au four aussi. Et c'est comme ça, du beurre, du sel, du Pepsi, c'est bon. Ça fait l'affaire. Miam, 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 miam. Ça va accompagner mon poulet. Ça, c'est du mayonnaise, mortaise. Pepsi sec, un peu de cake mangé et du citron. Je vais mélanger ça très bien. C'est ça qui va accompagner mon poulet. Moutarde, olive oil, huile d'olive. Gagner mon poulet. Mon poulet est déjà prêt. Donc j'attends les pommes de terre. C'est presque fini. Vous voyez, ça doit être comme ça là. Bien fait. Very crispy. Donc j'attends dans 10 minutes, 20 minutes. Les pommes de terre aussi seront prêtes. Et on va servir. Ça doit être comme ça. Bien doré là. Bien ok. Cuit. My poulet ready. Pommes de terre ready. Need to serve now. It looks delicious. Ça a l'air très bien fait là. Comme je voulais. Donc, je vais servir. Bien fait comme je voulais quoi. Donc, ça je voulais crispy, très bien. Très rapide à faire. Je mets du citron à côté. Un peu de ma sauce que je vous ai dit là. Voilà. It's ready. Cranberry chicken and vegetables. C'est facile à faire. Tu rentres dans la maison là fatiguée. Tu peux faire ça pour ta famille. Si c'est la première fois de venir sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de vidéos, commenter, partager avec les amis. Bisous, bisous, à bientôt.